Installez-vous confortablement parce que là, je eh, je sais même pas ce que j'ai vu. Je sais eh, pff, eh je suis dans tous mes états. J'ai pété un cas toute la soirée. Ce que j'ai vu là oh Je hais mon club. Je, je suis pour Chelsea moi. Hein. Je hais mon club. Je les déteste tous. Oh là, eh, vous êtes même pas prêts. Vous êtes même pas prêts. Il y a pas d'intro, il y a rien du tout là. On va aller dans le vif du sujet parce qu'il y a trop de choses à dire. Je vous explique la vidéo, il va y avoir trois parties. Première partie, je vais péter un câble. Deuxième partie, j'ai une ribambelle de photos et de vidéos que j'ai pris du match où on va réagir. Donc je vais encore, je vais continuer de péter un câble. Et après, à la fin, on fera les notes où je vais péter un câble aussi. Une honte, une honte. Eh hey, le score, je m'en tape. Le score, je m'en tape. 4-1, même s'il y avait 1001. Pareil Comment on a joué là Oh là 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 là. Chelsea. Hey, eh, merci Romero. Hein. Merci. Romero, parce que clairement, clairement qu'on se le dise, Tottenham, vous êtes débile, vous êtes débile, vous menez 1-0, vous dominez le début du match et vous n'arrivez pas à vous tenir parce que vous, vous êtes trop dans le. Et surtout Romero, on connaît, c'est pour ça que moi pendant très longtemps je l'ai critiqué ce genre là et que je le trouvais vraiment HS, c'est parce que c'est exactement ce genre de match-là qui résume Romero pour moi, même s'il fait un début de saison de fou malade, mais Romero c'est ça, c'est un boucher, c'est un boucher et clairement son rouge il l'a mérité, il l'a cherché. C'est complètement débile Pareil, Udo, Gipsa, hey, vous êtes arrivés comme des sauvages alors que vous meniez et vous dominiez. Merci Tottenham Parce que sans vous, sans vous, mais jamais Chelsea gagne ce match Jamais Impossible maintenant Dans n'importe dans quelle dimension, dans n'importe quel multiverse Non, pas possible Pas possible Je sais même pas, je suis... Embarrassé, je suis embarrassé. Le nombre d'actions, le nombre d'actions... Oh là là. Et tu sais que pendant un moment, tu me crois ou pas, hein pendant un moment, j'avais des frissons pendant le match tellement j'étais dégoûté par mes joueurs. Je voyais des choses, je fais. mais vous êtes dégoûtant Vous êtes dégoûtant Et encore, heureusement que Tottenham était à neuf Parce que quand tu vois le match, quand tu vois après la, le match comment il s'est déroulé, rien que s'ils étaient 10, on perdait Mais on perdait Rappelez-vous qu'à 1-1, ou non, je crois qu'il y a 2-1 on, on se dit, ouais, euh, donc on mène, euh, on est à 11 contre 9, euh, voilà, on, on, va, on, va, on va pas subir. Deux minutes après, on prend un but. Il y a enjeu, hein. Mais dites-vous, on a pris un but. C'est à cause de ça. C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Ça connaît à, à ça. Mais oui, Chelsea, Chelsea a réussi à encaisser un but. Et après, euh, comment tu fais pour subir à 11 contre 9? T'es à 11 contre 9 quand t'as le ballon, il y aura toujours un décalage positif pour toi, t'as deux joueurs de plus. Dis-toi qu'à 11 contre 9, on a réussi, quand on menait 2-1, à les attendre. On les attendait. Genre ligne basse, on les attendait, on les laissait centrer tout tout que c'était. Et... Oh là 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 là. Des ploucs, des, des enc... <laughs> bon, ça, je vais le biper, mais... bref. Oh là là, dégoûtant. Mais, mais, mais quelle honte. Mais quelle honte de jouer ce football. Le, en plus, en plus, je sais pas pourquoi. Hein. Alors ça, je sais pas pourquoi. Mais Tottenham joue avec une ligne défensive hyper haute. Hyper haute. Ce qui fait que, en vrai de vrai, on aurait pu marquer toutes les 5 minutes. T'as juste à faire un appel intelligent. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, j'ai tweeté ça. À un moment, j'ai tweeté, j'ai dit, Sterling, toi, t'es le mec le plus débile du monde, en fait. T'es là, t'es plus rapide que les mecs, que les joueurs. Donc même si tu pars de plus loin, tu vas avoir le ballon. Et à chaque fois, il jouait à la limite du hors-jeu. Bah, du coup, il était tout le temps hors-jeu. Mais pourquoi Et en plus, il me semble que le but qu'on marque, donc le, le, deuxième, ouais, le, le deuxième but, là, le but du 2-1, c'est quand enfin il fait un appel intelligent, c'est-à-dire qu'il part d'un peu plus loin et du coup, il n'est pas hors-jeu. Mais mec, t'as 28 piges. Il t'a fallu 3 hors-jeu ou 4 hors-jeu pour comprendre qu'il fallait partir de plus loin. Mais t'es un débile mental, toi, en fait. Mais t'es en fait, un casse c'est pas possible. Bref, faut que je me calme, mais je vais pas réussir à me calmer parce que tout ce qu'on va voir là, ça va me rendre fou en fait. C'est-à-dire que là, j'ai plein d'images et plein de photos et de vidéos que j'ai pris de ma télé tout ça, pour en débattre. Donc c'est dans le désordre par rapport aux événements du match. Faites pas attention à ça. On va commencer par la première que j'ai sous les yeux, c'est ça. Putain, elle hey, est S hey, sur la tête de WAM. Hey, que, Jackson. Jackson. Moi, eh, hey, moi, hein, c'est simple. Hein. Jackson, c'est fini. Pour moi, non, mais hey, il mis un triplé ce soir. Hein. Va de... Nicolas Jackson, va te que ce soit clair et net. T'es un putain de clown. Un putain de clown. Parce que ça, là, mais ça, mais ça, mais ça, mais. Ça, c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. C'est comme un banquier qui fait un virement de 1 million d'euros à tous ses clients. Tu te fais virer pour ça, on est d'accord et ben là, c'est pareil Comment ça Comment c'est possible que mes yeux ont vu ça Eh, hey, oh, wow oh. Je, je sais même pas, je, je, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Là il a tiré, il a même pas, là, mais là, Vicario, Vicario a fait un match de zinzin, il fait un match de fou, de fou malade. Mais comment on lui a mâché le travail Parce que là il fait la passe à Sterling, il y a but, Vicario il peut rien faire. Il, à part si c'est Monsieur Fantastique, sinon il peut rien faire. À part si ses bras sont élastiques, il peut rien faire. Mais non, on va tirer sur lui. C'est pour ça que c'est Vicario match de ouf, on a passé le match à tirer dessus, oh Deuxième image Est-ce que je vais me calmer Non, oh non, oh la deuxième image. <laughs> Et je ne sais pas si je vais réussir à regarder mes nerfs tellement je suis énervé. C'est-à-dire que là, Jackson, c'est-à-dire que là, Jackson, cette image-là, cette image-là, je crois que je l'ai en vidéo, je vais vous mettre la vidéo, je vais vous mettre la vidéo. Comment c'est... pour ça que Jackson, j'en peux plus. Jackson, là, c'est croix sur lui. On, on a compris, Jackson, depuis le début, je le dis, on a compris, dans les duels aériens, t'es nul. On a compris, t'es pas bon dans les duels aériens. Là, c'est pas un duel. T'es tout seul. Y a personne au contact. C'est pas un duel aérien. C'est juste un ballon en l'air. T'es tout seul. T'es à bout portant du but. Tu n'as qu'à smatcher le ballon pour qu'il y ait but. Dites-vous, il est tellement nul qu'un ballon qui doit finir dans le filet, dans le filet, va y avoir un rebond avant la ligne tellement il a fait une tête de gamine de quatre ans et demi. Mais en fait, ça, ça te fait péter un câble, en fait. En fait, ça te rend fou. Ça te rend fou. Tu te dis, le mec, il est footballeur professionnel, il est payé des millions. il À bout portant, il fait une tête de cassos comme ça, frère. Ton match, ton match, Jackson, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. T'as fait un triplé, je m'en bats les steaks. Ton match, il est dégueulasse. C'est une honte. T'as juste prouvé ce soir que t'étais un enfoiré. T'es un enfoiré. Ta tête de fillette là. T'es un enfoiré! Ensuite, on continue avec Cole Will qui m'a agacé aussi pendant ce match. Clairement, Cole Will, il foire complètement deux matchs cette saison, Arsenal et Tottenham. Au moins, c'est carré. Les deux derby, il les a complètement foirés. Bon, il a que 20 ans, donc euh, voilà. Mais quand même, là, une image qui m'a carrément énervé. Dites-vous que là, t'as littéralement 40% du terrain pour faire une passe, pour faire une passe bien dosée, tout, etc. On a ici, on voit juste devant l'arbitre, on a un des rares appels qui est fait correctement. Donc là, je ne pense pas qu'il ait hors-jeu, selon l'angle, ça dépend. Mais en vrai, je ne pense pas qu'il hors est hors-jeu. Bref, c'est un des rares appels de Sterling, je crois. C'est Sterling, ouais, qui fait un appel pas hors-jeu. C'est Cole Will, là. Il a 40% du terrain pour faire une passe bien dosée. Regardez où la balle finit. Oh my God Il t'a fait une passe, mais... <laughs> et, et James fait la même. James fait exactement la même plus tard dans le match. Il fait la même t'as tout le terrain pour faire une passe et hey, c'est une dinguerie là tu fais des passes c'est des tirs c'est des tirs tu vois des fois faut doser un peu parce que tu dois jauger entre le gardien et les défenseurs et tout il y a rien à doser là frère t'as tout le terrain pour faire ta passe tu sors des trucs comme ça mais moi mais moi pendant le match je suis même choqué qu'il me reste de la voix je suis choqué qu'il me reste de la voix j'ai pété un câble c'était une parodie c'était un sketch le match c'était un sketch c'était un sketch franchement J'aurais pas parié, j'aurais parié rien du tout qu'à la fin du match j'aurais eu 4-1, même qu'on gagne. À un moment donné, là, quand on est encore à l'heure de jeu, il y a qui est encore 1-1 là. Jamais j'aurais dit qu'à la fin on gagne 4-1. Jamais j'aurais dit. Tellement on jouait comme une... un sketch, un sketch. T'as la moitié du terrain pour faire une passe. Tu fais des tirs, frère, des trucs. On dirait que c'était volontaire. Ensuite, on a une vidéo là de Kukureya qui... Regardez l'appel de Moudri qui est bon. Il est bon. Koukou refuse de lui mettre le ballon. Pour quelle raison Pour quelle raison Pourquoi tu refuses C'est Moudric. Il y a la moitié du terrain. Tu vois qu'il n'est pas en jeu, tu ne lui mets pas. Pourquoi Pourquoi Je veux que Koukou me DM et qu'il m'explique pourquoi il ne l'a pas mise. Il faut qu'il me DM, faut qu il, il faut qu'il m'explique. Il faut qu'il m'explique. Je veux un mail détaillé, des raisons. Qu'est-ce qui passait par sa tête à ce moment-là pour dire non, non, je ne vais pas. Non, non, pourquoi et vous savez ce qui m'énerve après Vous savez ce qui m'énerve après Il s'excuse le type. Donc il est conscient, il est conscient, il sait que, il sait, il sait que c'est un tocard. Il sait que c'est un tocard. Pourquoi Dem. dame moi, je t'attends, je t'attends. Ensuite on a une vidéo qui montre à quel point, qui, qui explique aussi pourquoi je suis pas content de cette victoire. Parce que oh, en vrai de vrai... On aurait pu perdre ce match carrément. On aurait pu perdre. C'est ça la folie en fait du truc. C'est qu'on aurait pu perdre. Regardez comment on se retrouve de ça. D'une situation normale, on est à 10 contre 11. Il y a 2-1 pour nous, il me semble, à ce moment-là. Et il n'y a aucun danger. Il n'y a rien du tout de dangereux. Regardez en l'espace de 5 secondes où on va se retrouver. Moudric qui refuse de faire la passe simple à Silva, non, il veut la mettre un mec dans le trafic. Ugosoku qui rate son contrôle. En deux secondes, regardez, on se retrouve face à face. Dissassi qui tombe, qui, qui, qui glisse, et on a une frappe cadrée. Mais eh, vous... Hé, en fait, mais... Mais vous. Mais. Que dire? Que dire? Que dire face à... Oh, j'ai envie de tous les insulter un par un. Tous. T'es là. À 10 contre 11, 2-1 pour toi. Et regarde dans quelle situation tu te mets. Quelle équipe de Cassos! Ensuite, j'ai une vidéo de Sterling. Sterling, ton match. Sterling, en fait, vous savez, Sterling, c'est quoi le problème avec lui? C'est que c'est un enfoiré d'égoïste. Il pense qu'à sa gueule. Il pense qu'à sa gueule. Tout ce qui lui intéresse, lui, c'est marqué. Sachez, sachez, sachez que Sterling, son but à lui, son, son objectif, ce n'est pas que Chelsea gagne des matchs. Lui, tant qu'il marque, il s'en bat les couilles du score. Parce que là, dites-vous que on aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans le match, mais parce que Sterling est un enfoiré d'égoïste, on a gâché, 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 gâché des munitions. Et dites-vous que tous les buts qu'on a marqués dans ce match, c'était des occasions qu'on a eu 40 fois avant. Quand on marque les buts, c'est quoi? C'est des balles en profondeur et après on a un tapine. On a eu 40 000 occasions comme ça avant de les marquer. Pour dire à quel point on est des teubés. Mais bref, tout ça pour dire que Sterling, regardez à quel point c'est un égoïste. Là, t'as Gusto qui fait un appel parfait. Encore une fois, encore une fois, on a toute la moitié du terrain pour doser la passe. Donc, en vrai de vrai, t'es professionnel, tu peux pas rater ce genre de passe là. Mais là, dites-vous que là, il va même pas rater la passe. Là, là, dites-vous, là, dites-vous la dinguerie phénoménale. C'est que là, il va pas faire la passe. Il va pas faire la passe. Donc là, à partir de là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux faire Le mec ne pense qu'à sa gueule, il préfère dribbler là, je sais pas quoi plutôt que de faire une passe-clé qui va forcément amener quelque chose de, de, de hyper dangereux. Après, on a une vidéo de Moudrick. Moi Moudrick, vous connaissez mon avis sur Moudric et tant qu'il me donne pas tort, eh hey, franchement, faites-vous petit les frérots, parce que c'est quoi ça vous, Ce mec là, là, vous le voulez titulaire, regardez. En face à face, un contre un. Moi, moi, moi j'ai très rarement vu, en tout cas à ce niveau-là, des joueurs faire des, des, des délires comme ça. T'es là, t'es tout seul, tu fonces sur le mec, tu pousses le ballon, après tu fais faute. tu fais... Mais t'es bourré ou quoi, frère Mais t'es bourré ou quoi T'es même pas capable de faire une conduite de balle propre Mais vous, vous voulez de tuer ce mec-là Eh hey, Sterling, c'est un enfoiré. C'est un enfoiré, Sterling. Mais jamais il peut être sur le banc tant que lui est là. Jamais il peut être sur le banc tant que lui est là. Mais Moudrick, mais Moudric, mais, mais, mais à quoi il sert le type Une conduite de balle, une conduite de balle. Et encore, si avec ça, regardez ce centre là. et hey, je vous jure, quand tu vois ça, tu dis pas que le mec est professionnel. On dirait pas que le mec est professionnel. T'es là, t'arrives même pas à te resituer, t'arrives pas à te temporiser ou juste faire un bon choix. Tu nous envoies une saucisse qui monte, mais vous avez vu la hauteur à laquelle le ballon est monté C'est n'importe quoi. Oh my God Bref, j'ai fait le tour. Euh, on va passer aux notes. Au début, première mi-temps, j'ai noté les joueurs de Tottenham, mais après, à 9 contre 11, euh, c'était pas pertinent, je trouve, de vous noter, parce qu'en vrai de vrai, euh, le match voilà, 9 contre 11, c'est hyper particulier. Gros match de Vicario, évidemment, qui en vrai, en vrai de vrai, bon, pour moi, c'est l'homme du match, en vérité, c'est l'homme du match, Vicario. Euh, après, qu'est-ce qu'on a On a Poro, qui, voilà, quand t'es fan de, to de Tottenham, forcément fan de son match parce qu'il était grave là dans l'attitude et tout et il a bien défendu aussi même si bon là il a eu des défauts des bref bref en tous les cas c'est pas pertinent de noter les joueurs de tottenham pour ce match là on va passer aux notes de chelsea rapidement sanchez 5 je sais pas je sais plus s'il a fait des dingueries ou pas tellement ce match m'a rendu ouf jackson 6 euh, james 6 et demi bon match franchement bon match j'aurais pu mettre 7 euh, bon match 10 assis franchement il, il me stresse moi pour moi on a la confirmation plus ou moins que Dissassi, Voilà, en vrai, c'est bien de l'avoir sur le banc, mais c'est pas un mec qui peut concurrencer Silva ou voilà. Euh, hey, il en est loin. et hey, loin, 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 loin. Il est, il fait trop de choses qui m'énervent, Il fait trop de choses qui m'énerve. Même s'il n'est pas dégueulasse, mais il fait trop de choses qui m'énervent. Silva, en, en deuxième mi-temps, j'avais l'impression que le seul joueur calme de l'équipe c'était Silva. J'ai l'impression que tout le monde était en panique sauf Silva. Ça, ça, ça m'a choqué. Silva, bref, il connaît, il est passé par là. Il, il sait ce que c'est, il fait un super match défensivement. Le nombre d'interventions qu'il fait, que ce soit en l'air ou que ce soit au pied. Euh, même quand il a le ballon, il panique pas, il te fait des remises propres et tout. Franchement, bref, du Silva, comme d'habitude, incroyable. Call Will 3, pour moi, il a raté son match, comme à, contre Arsenal. Caicedo, qui fait une première mi-temps que j'ai trouvé compliquée. En deuxième mi-temps, il a été aussi celui parmi, des, parmi les plus calmes. Donc euh, voilà, mais avec ballon, l'utilisation avec ballon, il y a encore des fois où je le sens un peu hésitant. Le premier mi-temps, il a raté une passe en début de match. Après, il veut, faire un, il veut faire un petit lob bizarre au milieu de terrain, il perd le ballon, il fait n'importe quoi. Donc, des fois, dans l'utilisation du ballon, t'as l'impression qu'il panique. Donc, euh, il faut qu'il gagne en sérénité. J'espère que ça va venir avec le temps. Euh, Enzo, Enzo, qui euh, voilà, il doit avoir. Enzo, avec Chelsea, il a raté 4-5 matchs. Voilà, ce soir c'était un des matchs qu'il a raté, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il rate le match, il ne fait pas semblant. Franchement, il n'était pas dedans du tout. Euh, ensuite, Gallagher. Gallagher. Vous voyez, Gallagher, encore dans un groupe, je ne sais plus est c'est à la, si oui, la mi-temps, il y a des mecs qui voulaient sortir Gallagher, qui voulaient sortir. Vous ne comprenez toujours pas, pas l'importance de Gallagher. C'est une dinguerie. Enfin, certains ne comprennent toujours pas l'importance de Gallagher. C'est-à-dire que Gallagher, en première mi-temps, c'est lui qui presse le mieux. C'est lui qui presse le mieux avant hein, même. Même il récupère des ballons en mode. Le joueur. Le, bref, il récupère des ballons tout seul. L'adversaire a le ballon. Tu fermes les yeux. Chelsea a le ballon. Qu'est-ce qui s'est passé Gallagher. Pressing, il arrive, propre, sans faire faute en plus. Gallagher, trop fort. Et le nombre d'actions, le nombre de tapines que Sterling, que Jackson ont raté, Gallagher, il a eu une fois, il a eu une assiste. Quand Gallagher a eu euh, son action là, sa balle en profondeur, il est arrivé. Il n'a pas essayé de la mettre bizarrement tout seul en tapant sur le gardien, en paniquant ou je sais pas quoi. Non, lui direct, 6 buts. Gallagher, son match est parfait défensivement incroyable et offensivement il a fait le taf alors que d'autres ont eu besoin de 40 000 munitions pour faire ce que lui l'a fait en une fois. Gallagher, ceux qui ne le respectent toujours pas, s'il vous plaît, regardez le match avec vos yeux et pas avec votre anus, s'il vous plaît. Palmer 8, Palmer, Palmer. Quel ré ah, régulier, régulier en plus le type, sans froid pour marquer le tir au but. Euh, même si Vicario, même sur le, même sur le penalty, il est bon Vicario pour vous dire à quel point c'est l'homme du match. Donc voilà un truc de ouf. Mais Palmer, il le met au fond, il fait un bon match. Euh, même il fait une deux, il fait une assist après euh, pour le dernier but de Jackson, il me semble. Donc ouais non, Palmer, c'est propre, c'est propre. Le mec est ultra régulier, titulaire indiscutable. Franchement, on tient une pépite de ouf, on tient une pépite de ouf. Sterling, zéro, parce que pour moi, pour moi Sterling, c'est juste un égoïste. C'est un, un égoïste. C'est tout ce qu'il est. C'est un égoïste. Un mec qui ne joue pas pour l'équipe, c'est zéro. C'est zéro. On en arrive à la note un peu controversée, je pense, puisque Jackson, voilà, il a mis un triplé ce soir, Jackson. Il a un point pour chaque but qu'il a mis. Sinon, c'est comme Sterling, c'est zéro. C'est zéro parce que t'as raté des trucs de ouf. On l'a vu dans les séquences que je vous ai montrées, Inadmissible le match de, de Jackson. Quand il, quand il peut faire la passe là, Sterling et sa tête là, pour moi, je ne peux pas, je ne peux pas supporter. C'est insupportable de voir ça. Insupportable. Donc je lui mets un point pour chaque but. Je lui mets un point pour chaque but. Pas plus. Pas plus. Kukureya, une bonne entrée. Et Moudric, une entrée. Voilà, une chandelle, euh, bref, euh, et... Bref, franchement, bref. Les amis, je m'arrête ici, j'ai mal au crâne, j'ai chaud, j'ai plus de voix, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est la pire victoire que j'ai vue de mes yeux. Vous comprenez bien, la pire victoire. Tu peux pas gagner en étant si dégueulasse comme ça, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça de ma vie, de ma vie entière, que je vis sur Terre, là. J'ai jamais vu une victoire aussi honteuse. Ciao.